La pluie battante qui s'est abattue ce vendredi sur Libreville n'aura pas eu raison de la détermination des forces spéciales de la gendarmerie nationale qui ont offert à l'officier supérieur Théophile Pigatsiba le dernier hommage dû à son rang. Aujourd'hui, la grande famille qu'est la Défense nationale est en deuil. En cette douloureuse circonstance, je voudrais ici réitérer, au nom du ministre de la Défense nationale, toutes les condoléances. Une oraison funèbre des plus émotives, présentée par l'un de ses plus proches collaborateurs, compagnon d'armes et de route. Nous avons été de toutes les missions à Onga. Nous avons été de toutes les missions à Kabbalah. Nous avons été de toutes les missions à Boumango, à Siab. Nous avons parcouru tout le Haut-Ogoué, car dans les années 2016, la situation sécuritaire précaire de la sous-région nous imposait d'être le plus proche possible des unités frontalières. Mon général, je garde un vivant souvenir de cette époque. Une raison de près de 10 minutes, tant sa vie en aura inspiré plus d'un au sein de ce corps d'élite. La mobile s'engageant aux côtés des unités départementales dans des opérations de grande envergure de rétablissement de l'ordre dans le cadre de la gestion démocratique des foules. Le général de brigade Théophile Pigatsiba sera enterré dans sa terre natale Ngouni, accompagné par le drapeau sous lequel il aura consacré la plus grande partie de sa vie. Mon général, ton témoignage est vibrant.